Camille, j'ai 11 ans, j'adore les licornes, mais surtout, je préfère mon frère. Je l'aime vraiment, mais genre, j'adore et tout. Il est intelligent, drôle, gentil et tout. C'est un modèle. Oh là 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 là, ma sœur, un truc de dingue. Quand elle rentre dans ma chambre sans frapper, quand elle prend mes affaires, ça me saoule, ça me saoule. C'est... voilà, elle est insupportable. Et sans parler d'autres zombies, là. Moi, c'est Saphir. Alias le zombie, enfin, c'est comme ça que les microbes m'appellent. J'ai qu'une envie, c'est de me barrer de cette baraque. Déjà que c'est moi qui fais tout à la maison. Hello, moi c'est papa. Et la vie de papa divorcé, c'est parfois compliqué. Mais j'ai de la chance d'avoir des enfants adorables. Attends, ils sont tellement... Zombie, Saphir, Gaba et Lily, c'est quoi ce bêtise? Hey les microbes, vous en avez pas marre que papa soit toujours à la maison? Toujours là à s'occuper de nous, toujours omniprésent dans cette maison. Tu dis pas ça parce que t'as envie de faire une soirée le week-end prochain avec tous tes potes? Non, pas du tout. Oh, mytho! Arrêtez, bref. Imaginez si on avait une belle maman qui viendrait nous border la nuit, nous faire plein de petits poutous. Oui, une nouvelle maman! Imaginez si on avait une belle maman qui nous préparait nos meilleurs chocolats chauds. Ah, les chocolats chauds. Il est vraiment trop trop fort. Papa, papa, regarde! J'ai eu 8,5 sur 10. C'est bien, c'est bien. Bravo. T'as vu? C'est pas mal, hein? Bah ouais. En plus, devine qui c'est qui l'a corrigé? Bob l'éponge. Non, la nouvelle remplaçante en maths. Elle est super jolie. En plus, elle a ton âge, donc... coïncidence? Je pense pas. Ok. Papa? Oui? Est-ce qu'un jour, j'aurai une nouvelle maman? Une nouvelle maman? Mais pourquoi faire? T'as un super papa! Les enfants. Salut papa, ça va? Ça va et toi? Ouais, on mange quoi ce soir? Pancakes aux tomates. Pancakes aux tomates. Yes. Ok, super. J'avais une question à te poser. Oui, dis-moi. Alors j'aimerais te présenter ma petite amie. Ok, cool. Et j'aimerais savoir si on pourrait organiser une petite soirée dans la semaine. Oui, bah oui. Ok, super. Avec plaisir. Bah du coup, ça sera l'occasion de nous présenter ta petite amie. Enfin, si t'en as une après. J'ai très bien que j'ai personne. T'as personne? Ben non. Mais tu sais, papa, de nos jours... Tu sais, avec les réseaux sociaux, les sites de rencontres, pour trouver chaussures à son cul, c'est pas si compliqué que ça. Ouais, mais quand t'as trois diables comme vous à la maison, c'est très compliqué. T'abuses. Allez, Phil, tiens, va regarder si Gabin, il a fini ses devoirs. Papa restera célibataire. Un match. Isabelle, 35 ans. Enchantée. C'est toi. Oui. Ça va les enfants? Ouais, ça va. Ça va. Ça va. On commande du coup ce soir? Non, je vais vous faire à manger. Papa, t'es sûr? Oui, vous inquiétez pas, je gère. T'as quand même brûlé la cuisine la semaine dernière. Mais non, c'est juste un détail. Ok, on te laisse gérer. Papa en cuisine. Une horreur. Préparez vos cornes. Alors comment je l'ai fait fonctionner celle-là? Ok. C'est un oignon ça. Ouais, c'est un oignon. Ce sont des oranges, c'est bien aussi. Papa en cuisine, c'est vraiment mais une horreur. Mais attends, mais tu rigoles, ça te fait jamais en fait. Les microbes, 10 euros que dans 20 minutes on finit au resto. Mais 40 minutes quand même. 40, ça marche. A few moments later. Resto? Resto. C'est parti! Merci. Je suis un chat noir. C'est la seule explication. Ça tire mes clés! Mais je les ai pas. Je te les avais passés à toi! Ça fait un mois que j'ai pas conduit. Bah, regarde ce que j'ai trouvé dans ta poche. Hein, quoi? Mais c'est ma veste, ça, papa. Non, c'est... Arrête de défendre ton frère. Lily, elle a 11 ans, elle conduit pas. On en reparlera tout à l'heure. Mais papa! Les enfants ne doivent pas mentir. Mais les parents, quand ça les arrange... oui. Papa, t'as reçu un colis?
Non, mais c'est impossible. Ça fait un mois qu'il aurait dû être livré ce colis. Ça fait combien de temps que t'attends? Un mois, papa. Écoute un peu. J'ai même essayé de laisser un message à la vendeuse. Ah bah laisse tomber, elle te rappellera pas. Ah bon, tu crois? Ah bah oui, elle rappellera pas. Oui, mais... Elle dit tout ce qu'elle rappelle, mais elles le font pas. Je suppose qu'elle avait l'air gentille, à l'écoute, serviable. Mon pauvre. Papa, ton date s'est mal passé, je suppose. Mais peut-être qu'il y en avait bien des vendeuses. Papa, est-ce qu'un jour j'aurai une nouvelle maman? Non, y'a pas! On attend les crêpes invisibles, tu sais. La licorne! Pourquoi faire? Je t'ai mangé. T'es trop agressif là. Pourquoi faire? Non, tu l'as pas, regarde. Donne-moi juste mon texte! Mais je te le donne depuis tout à l'heure! Donne-le moi là! Dans 10 minutes. Non. C'est une horreur, hein. Une horreur, plus jamais. Les gars. 2, 3. Regardez là-bas. Je sais. 1. Même le regard, t'es pas foutu de faire. 1, 2. Oui, mais puisque la cuisine, elle est là. Vas-y, donc... continue, on raconte pas ta vie. Ok, c'est bon. Arrêtez de m'engueuler. Ah, bah oui. Elle t'appellera pas? Non, pas du tout. Elle t'appellera pas. Elle appellera pas. Il va me faire la même scène que tout à l'heure. Bah du coup c'est une fin de tournage. Yeah. Bravo, 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 bravo. Allez, ton rachat il aura duré une heure. Rachat lui tout seul il a duré. Avec les bises. Appelle le tacos.